Soudou Baoudet, où la maison des compétences ouvre ses portes à Zignaré dans le plateau central. Il s'agit d'une initiative présidentielle qui contribue à la réforme du système éducatif avec une offre de formation touchant 144 métiers dans 9 domaines. À terme et en fin de formation, les sortants se verront accompagnés pour leur insertion à travers le financement des meilleurs projets. Le lancement officiel avec Bernard Koumbelem et Amandine Lalsaga. La réforme du système éducatif est en marche. Burkina Soudou Baoudé, ou la Maison des compétences de Burkina, une initiative présidentielle est ici lancée. Nous sommes à Zignaré, chef-lieu de la région du plateau central. Le chef de l'État concrétise ainsi un engagement pris face aux étudiants le 17 janvier 2023 à l'Université Joseph Kizerbo. Dans son allocution, lue par le ministre en charge de l'emploi, le capitaine Ibrahim Traoré rappelle la volonté de la transition de réorienter le système éducatif vers un développement des compétences pour l'emploi. La formation professionnelle est désormais ouverte à toutes les composantes de la jeunesse, quelle que soit la langue dans laquelle la personne s'exprime ou la personne a été éduquée. Le défi que nous nous sommes donné, c'est de pouvoir mobiliser environ 2 milliards de francs CFA pour financer les projets d'entreprise des sortants des centres de formation professionnelle. Soudou Baoudé est un établissement public à caractère administratif. Il résulte de la fusion de l'Agence nationale de la formation professionnelle, des centres de formation professionnelle de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et de Zignaré, et du secrétariat permanent de la Commission nationale de certification. L'offre de formation concerne 144 métiers dans 9 domaines que sont génie civil, le génie mécanique, le génie informatique, le génie électrique, les textiles, habillement, cuir et peau, l'agroalimentaire, la maintenance industrielle, le génie électronique et l'hygiène et les soins corporels. L'initiative présidentielle connaît déjà un engouement. 100 nouveaux bacheliers de la session 2023 ont été orientés au centre de formation professionnelle industrielle de Bobo-Dioulasso pour être formés au métier industriel. C'est une initiative que la jeunesse burkinabè salue en sa juste valeur. On a besoin aujourd'hui de renforcer les capacités des jeunes afin qu'eux-mêmes puissent s'employer, créer de la richesse et contribuer au développement du pays. Le lancement des activités de Soudou Baoudé est couplé à la rentrée académique 2023-2024 des centres de formation professionnelle sous tutelle du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi et du concours des projets d'entreprise des sortants des centres de formation professionnelle.